Les pygmées bagelli ne sont plus qu'une dizaine de milliers à peupler les lisières de la forêt équatoriale camerounaise. Ils sont pourtant, avec les autres tribus pygmées, les premiers habitants du pays. Leur mode de vie nomade est constamment remis en cause. Dès l'indépendance du pays, les autorités ont essayé de les sédentariser sans jamais vraiment leur donner de chance de s'intégrer. L'obstacle principal, l'analphabétisme, qui touche toutes les générations. Aujourd'hui, c'est la déforestation galopante qui menace sérieusement leur survie. Car pour ces chasseurs-cueilleurs, la forêt reste leur principale ressource. En dépit de ces difficultés, les pygmées luttent pour préserver leur identité culturelle. Tout le monde est à contribution pour me faire ma case. C'est trop gentil. Merci. Comment on dit merci? Awa. 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 C'est la maman du chef qui m'aide à faire mon lit. C'est un honneur. Non, non, bouge pas. Tu restes comme ça. Mets tes pieds comme ça. Là, ici, là. Voilà. Et là, tu... Voilà. Et là, t'avances. Tiens. Et... Les jeunes font l'apprentissage de la forêt dès leur plus jeune âge et participent activement à la vie du campement en pratiquant la cueillette, la pêche et la chasse.